Salut tout le monde, alors cet après-midi je suis en train de planter les pommes de terre. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et ben aujourd'hui je vais vous montrer la plantation des pommes de terre, les variétés que j'ai choisies, enfin la variété plutôt. Et ben, comment je fais pour les planter et tout ça. Alors pour la plantation j'ai choisi 60 plants de pommes de terre Charlotte. C'est la variété Charlotte, voilà. Enfin oui c'est ça, oui. 60 plants de pommes de terre Charlotte que je vais devoir planter sur cette rangée qui fait exactement 13,5 mètres. Logiquement, il devrait y en avoir assez, mais enfin, j'espère qu'il va y en avoir assez parce que là, ça me paraît quand même un peu juste. Du coup, voilà, l'écartement, c'est environ, on va dire, là, en vrai, je ne les ai pas beaucoup écartés, mais c'est environ 30 cm, un peu moins de 30 cm. Dans un sillon comme ça que j'ai essayé de faire à peu près droit et puis après je vais essayer de buter avec la charrue du motoculteur. Vraiment je sais pas trop ce que ça va donner et j'espère que ça va marcher. Alors au moment de la plantation faut penser à regarder à éliminer les plants qui sont s'ils sont un peu pourris, moisis, tout ça, parce que c'est ceux-là, ils peuvent être porteurs de maladies vu qu'ils sont abîmés, ou sinon ils peuvent être plus sensibles aux maladies vu qu'ils ont été abîmés, ils sont ouverts, tout ça. Ils sont plus vulnérables. Alors pour planter, c'est très simple. On fait attention que les germes soient bien vers le haut et on plante comme ça. On peut s'aider d'une règle ou d'un bâton pour mesurer. Là, d'ailleurs, il n'est pas germé celui-là. Non, on peut s'aider d'une règle ou d'un bâton, un truc comme ça pour la distance, mais moi ça va, j'ai l'habitude, du coup c'est bon, je fais à peu près. Alors aussi, toujours important que les pommes de terre soient germées. Alors là, le germe il est déjà bien développé, mais même quand il faut que le germe soit à peu près comme ça. De toute façon, plus il est petit, plus elles mettront de temps à sortir, mais forcément elles sortiront forcément au bout d'un moment. Alors aussi, c'est important de jamais planter les pommes de terre dans un sol qui est mouillé parce que elles sont assez sensibles à la pourriture et elles aiment pas du tout ça. Du coup, c'est même mieux de les planter dans un sol qui est sec plutôt que dans un sol mouillé. Même pas obligé de les arroser. Vers cette époque, au printemps, tout ça, elles auront pas forcément besoin de beaucoup d'eau. C'est surtout au moment de la floraison qu'il leur faut pas mal d'eau. Aussi, la maladie la plus ravageuse et surtout la plus connue pour les pommes de terre, c'est le mildiou. C'est un, si je me trompe pas, c'est un champignon. En gros, c'est très mauvais pour la pomme de terre. Ça apparaît aussi sur d'autres plantes. Mais voilà, en gros, ça, on voit un peu des genres de taches un peu brunes sur les feuilles, tout ça. Et si la maladie est trop importante, elle peut en gros détruire la récolte. Du coup, c'est conseillé de traiter avec de la bouillie bordelaise au stade quand les plantes commencent à pousser, quoi. Et pour éviter la maladie. Après ça, c'est comme vous voulez. Je sais que certains n'auront pas forcément trop envie de faire ça, même si la bouillie bordelaise, c'est pas du tout toxique, c'est naturel. Mais c'est pas forcément très bon pour... Enfin voilà, faut pas en mettre trop, c'est... savoir la doser parce que c'est naturel, mais c'est pas, ça veut pas forcément dire que c'est très bon. Mais sinon voilà, c'est conseillé de mettre de la bouillie bordelaise en prévention. L'année dernière j'avais planté beaucoup de pommes de terre et elles ont eu cette maladie et du coup ça fait que même en ayant mis de la bouillie bordelaise, mais c'était un peu trop tard, du coup la récolte a pas été super. Je pense que c'est surtout à cause de que j'avais pas assez buté, tout ça. Et l'humidité, il y avait trop d'humidité, du coup ça a beaucoup favorisé la maladie. Je pense que c'est sûrement à cause de ça. Du coup je vais essayer de ne pas reproduire cette erreur cette année. Je vais essayer de faire mieux.
Alors, vous voyez le temps, il fait pas très beau, on va dire. Enfin, non, il fait pas du tout beau. Il commence un petit peu à pleuvoir, du coup, je vais me dépêcher de buter, de tout bien recouvrir. Et c'est pour ça que je voulais vite le faire maintenant, parce que je savais qu'après, il allait pleuvoir, et du coup, j'allais devoir attendre que ça sèche et tout, les pommes de terre, enfin, que le sol il sèche, pour planter quand la terre est pas trop mouillée. Du coup, fallait vite que je les plante maintenant, voilà. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai réveillé monsieur le motoculteur et on va aller buter les pommes de terre. Déjà, la moindre chose qu'on puisse dire, c'est que c'est pas parfait, mais ça m'étonne pas. Enfin, c'est pas droit, mais ça c'est normal. Mais sinon, ça a quand même fait une butte, voilà. Ça a fait quelque chose. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu dans les images juste avant. Par contre, petit problème. Vous voyez la terre qui a un petit peu collé. Mais bon. De toute façon, si je l'avais fait après, ça aurait été pire. Alors voilà. Ce que j'ai fait, j'ai simplement réduit la profondeur de la charrue. Je l'ai mis à ce cran là et là où, à l'avant-dernier cran. Alors, ces pommes de terre, pendant leur croissance, je vais les buter plusieurs fois. Je vais essayer de bien m'en occuper pour qu'il y ait le meilleur rendement sans utiliser de produits, bien sûr, et ni aucun engrais à part le fumier. Comme je vous l'avais déjà dit. Voilà, sauf que si le besoin s'en fait sentir, peut-être que s'il y a vraiment besoin, peut-être que je mettrai de la bouillie bordelaise, que je pulvériserai. Mais je verrai, si vraiment il y en a besoin, j'en mettrai. Ben, s'il n'y a pas besoin, tant mieux, j'en mettrai pas. Et donc ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre un commentaire, j'y répondrai. Voilà, c'était la fin. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!